Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Bamako accueille depuis ce matin la deuxième édition de la semaine du numérique. Le thème est retenu et la TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Docteur Choguel Kogala Maïga. L'ex-patron de la police islamique de Tombouctou, Abdul Aziz Al-Hassan, sera fixé sur son sort demain. La Cour pénale internationale CPI prononcera son verdict du procès dans lequel il comparaît depuis 4 ans pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2012. À suivre les dossiers de Soumaïla Berté, l'autre dossier porte sur l'envoi d'un premier contingent de 400 policiers kenyans en Haïti pour la sécurisation de ce pays. Le rassemblement des Aigles U23, la deuxième journée du championnat de football féminin, la suite de la troisième et dernière journée de la phase de poule de l'Euro et la Copa América États-Unis constituent le menu de la page sport de cette édition. Dans la chronique Initiative citoyenne, nous irons à la découverte de l'association Tous et Chacun qui se bat pour la réduction de la mortalité néonatale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Mise en onde par Bindou Traoré et mise en ligne par Amissa Konaté. Le développement de tous ces titres dans quelques instants. Sachez d'abord que le président de la transition est arrivé ce matin à Ouagadougou pour une visite de quelques heures au Burkina Faso. Le colonel Assimi Goïta aura un entretien avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahima Traoré. Les deux dirigeants doivent passer en revue les questions bilatérales et les sujets d'intérêt commun, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons en ligne notre envoyé spécial. Ibrahima Traoré, bonjour. Bonjour, Siaka Konaté. Alors, quel est le programme de cette visite du président de la transition au Burkina Faso? Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que le président de la transition effectue son tout premier déplacement dans la capitale burkinabé, à Ouagadougou. L'avion du chef de l'État s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. À 10h05 ce matin, au bas de la passerelle, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, souhaite la bienvenue au colonel Assimi Goïta. Après les hymnes nationaux des deux pays, le président Assimi Goïta a été reçu avec des honneurs militaires. Il passe ensuite en revue un détachement de la garde présidentielle. Il salue ensuite le premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les autorités militaires burkinabé. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et son homologue burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, s'entretiennent ensuite dans le salon d'honneur de l'aéroport avant de se diriger vers le palais présidentiel où ils ont un autre tête-à-tête, une entrevue qui a été suivie par qui a été élargie aux délégations maliennes et burkinabé. Les deux parties passent en revue, comme vous l'avez dit, plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment des sujets liés à la défense et à la sécurité ou encore à d'autres sujets de développement. L'AUS, l'Alliance des États du Sahel, est également au menu des discussions. Pour l'instant, les deux délégations sont en séance de travail, une séance de travail qui sera suivie d'un déjeuner. Et c'est après ce déjeuner que les deux chefs d'État vont s'adresser à la presse. Il faut également souligner que le président de la transition est accompagné du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, du ministre des Finances et de la ministre des Transports. À l'aéroport également étaient présents plusieurs Maliens, oui, une forte délégation malienne venue saluer le chef de l'État, une belle ambiance qui régnait autour de l'aéroport pour souhaiter donc la bienvenue dans la capitale burkinabé au président malien Siaka Konaté. Merci Ibrahima Traoré. Plus de détails sur cette visite du président de la transition au Burkina Faso dans nos prochaines éditions ici à Bamako. Ouverture ce matin au CICB de la deuxième édition de la semaine du numérique autour du thème « Les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel,
opportunités et défis. Cette édition a nécessité la présence du Burkina Faso et du Niger, tous des membres de l'Alliance des États du Sahel, représentés par leur ministre en charge de l'économie numérique. Le Niger est l'invité d'honneur de cette deuxième édition. Nous avons en ligne notre reporter au CICV, Ousmane Daou. Bonjour Ousmane. Bonjour Siaka Konaté. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie d'ouverture ? Une cérémonie d'ouverture marquée par beaucoup d'événements. Tout d'abord, il faut annoncer que cette cérémonie a commencé par la slameuse Mali Keïta qui a peint un peu à partir du slam les pays de l'AIS, les opportunités que ces pays de l'AIS ont en commun. Ensuite, l'ensemble instrumental a également préparé une chanson, conçu même une chanson pour les pays de l'AIS, chantée en langue bamananka, en haoussa et en moussi. Depuis de nombreuses années, Chaka Konaté, le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication est une priorité pour le Mali, d'où la création de cette Semaine nationale du numérique pour que ce secteur soit un moteur clé pour le développement économique, social et culturel. Il s'agit aussi, compte tenu du contexte actuel, de prendre en compte la modernisation de l'administration, la lutte contre la cybercriminalité et promouvoir l'innovation et la recherche dans le domaine numérique. Ce rendez-vous de Bamako est un tremplin pour mettre en évidence les avancées du Mali dans le domaine. C'est pourquoi il s'agit de rassembler tous les acteurs pour favoriser la compétitivité, la créativité et l'innovation autour du thème, vous l'avez dit, les TIC, comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Et les pays de l'AIS sont à l'honneur dans cette deuxième édition. Pour Aminata Zerbo-Sabane, ministre de la Transition digitale des postes et des télécommunications électroniques du Burkina Faso, l'AIS doit être une solution pour que l'on puisse trouver des solutions à nos problèmes communs, notamment face aux défis du terrorisme, de l'insécurité et entre autres. Pour celui du Niger, Mohamed Sidi Raïlou, ministre nigérien de l'économie numérique, les nouvelles technologies de l'information doivent permettre aux pays de l'AIS de se développer, d'être encore plus ensemble. Pour Alamdou Aguilien, ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'AIS et de la modernisation de l'administration, l'Alliance des États du Sahel va s'appuyer sur les opportunités pour se renforcer et se développer davantage. Il s'agit aussi pour ces pays de simplifier les interactions État-citoyen et stimuler la croissance économique avec une administration électronique efficace et sécurisée. Le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a insisté pour les pays de l'AIS sur la communication, notamment mener une communication pour lutter contre le terrorisme sur le terrain, même si cette guerre est menée par l'armée. Il s'agit aussi de faire une communication pour que les peuples de l'AIS soutiennent davantage les dirigeants de l'AIS. En somme, Chaka Konaté, on peut dire que pour le Mali, le numérique est un levier stratégique pour la modernisation et le développement de notre pays. Merci Ousmane Daou, vous le disiez tantôt, le Premier ministre a appelé les pays de l'AIS à utiliser les technologies de l'information pour contrer la guerre communicationnelle que certaines puissances occidentales mènent contre ces trois pays, c'est-à-dire des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Selon lui, chaque citoyen de l'espace AES doit se considérer comme un soldat. Je vous propose d'écouter Dr Choguel Kogala Maïga. Il est au micro d'Ousmane Daou. Mais le terrorisme communicationnel est extrêmement dangereux. Et vous avez une grande responsabilité dans ce combat. Attachez vos ceintures pour donner un contenu réel à ce message du président. Parce que notre rôle, en tant que Premier ministre et vous en tant que ministre, c'est chaque fois donner un contenu pratique à nos populations par rapport à ce que dit notre président et qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il ne peut pas s'étendre sur tout. Quand il énonce ces chiffres, ces terrorismes-là, c'est à nous de nous engager pour les combattre. Chacun dans son domaine. Parce que le combat qui est engagé, c'est pour couper les populations du sommet. C'est pour décourager les gens, pour faire échouer l'AIS. Ils ne réussiront pas, Inch'Allah. Levons-nous pour jouer nous aussi notre partition. Pour combattre l'insécurité, pour combattre le terrorisme. Pour faire en sorte que rien ne soit plus comme avant dans l'AES. C'est le rôle
qui vous est assigné, ceux qui sont chargés de la communication de l'AES. Les mentales des citoyens, leur compréhension, leur analyse des problèmes politiquement, historiquement, c'est ça qui va servir de levain pour permettre à nos militaires de réussir leur mission. Tony Akulikourou de l'atelier de dissémination du rapport 2022 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE Mali. Quelques chiffres sont à retenir de ce rapport. En 2022, les sociétés minières ont versé dans les caisses de l'État 525 milliards de francs CFA contre 411 milliards en 2021, soit une augmentation de 114 milliards. De Koulikourou, la correspondance de Adama Traoré. Avoir un regard sur les secteurs extractifs, tel est le leitmotiv de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est fort de cette logique que les responsables de l'UTE ont initié à Koulikourou une journée de dissémination du rapport 2022. La journée a pour but d'échanger et de discuter avec les acteurs locaux de la deuxième région en charge du secteur extractif. Bourama Cissé, secrétaire général par intérim de l'UTE. Pourrons dire qu'il y a eu des progrès et surtout que c'est des rapports qui contiennent des informations comme tant financières que contextuelles, qui intéressent tous les acteurs. C'est-à-dire, vous avez la société civile qui retrouve son compte, vous avez l'État qui retrouve son compte, vous avez les sociétés minières, les secteurs privés en Nemo qui retrouvent son compte. Donc nous pouvons dire que de façon globale, c'est un rapport satisfaisant. Selon les autorités administratives de la deuxième région, cette initiative est louable. Médecin colonel Namakita, conseiller au gouvernorat de Koulikourou. On peut retenir qu'en 2022, la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants. 9,2% du produit intérieur brut du Mali, 34,8% des recettes de l'État, 76,5% des recettes d'exportation du pays. Le périmètre de réconciliation est de 10 entités publiques pour 31 entreprises extractives. L'affectation des revenus miniers au budget public s'élève à 525,2 milliards de francs CFA pour l'année 2022 contre 411,21 milliards de francs CFA pour l'année 2021. À l'issue des échanges, les recommandations seront formulées en vue de traiter les insuffisances et les dysfonctionnements qui minent la gestion de l'industrie extractive au Mali. À l'étranger, les verdicts de la Cour pénale internationale CPI contre l'ex-patron de la police islamique de Tombouctou est attendu demain mercredi. Abdul Aziz Al-Hassan est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour des faits de torture, traitement cruel, atteinte à la dignité de la personne au moment de l'occupation de la ville des 333 saints par des terroristes, c'était en 2012. S'il est reconnu coupable au terme d'un procès de 4 ans, sa sentence ne sera pas prononcée avant plusieurs mois. C'est un dossier signé Soumaïla Berti. Ce mercredi 26 juin, la Cour pénale internationale CPI se prononcera si oui ou non Abdelaziz Al-Hassan est coupable des faits qui lui sont reprochés. En effet, l'ex-patron de la police islamique de Tombouctou lors de l'occupation du Nord Mali entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013 par les groupes terroristes répond des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre pour des faits de torture, des traitements cruels, atteinte à la dignité de la personne, viol, mariage forcé, condamnation sans jugement, persécution, etc. Les juges diront notamment au terme des 4 ans de procès quelle était sa place dans la hiérarchie de l'occupation. Pour rappel, au cours des 10 procès ouverts en juillet 2020, 52 témoins ont déposé auprès du procureur, dont de nombreux experts, des journalistes qui ont couvert la guerre au nord du Mali, des victimes, des témoins de la terreur imposée sur la ville. Au total, 2196 victimes ont aussi été représentées par des avocats dans ces procès. La défense a appelé 22 témoins. Pour prouver la culpabilité d'Al-Hassan, l'accusation a présenté des vidéos de l'accusé sur lesquelles il assiste ou exécute les punitions infligées à la population, ainsi que de nombreuses expertises sur les données téléphoniques, les images satellites, les mausolées de Tombouctou en partie détruits, etc. De même, de nombreux témoignages de victimes et de témoins ont été entendus dans 3 langues nationales. Si Abdelaziz Al-Hassan est reconnu coupable, les juges ne prononceront pas la sentence avant plusieurs mois après avoir entendu les réquisitions du procureur. A noter enfin que c'est le second procès sur l'occupation de Tombouctou devant la CPI.
Ahmed Al-Mahdi, agent de la Hesba, avait été condamné à 9 ans de prison pour crime de guerre après avoir plaidé coupable. Ce dernier était poursuivi pour sa participation dans la destruction des mausolées de Tombouctou. 400 policiers kenyans ont embarqué ce lundi pour Port-au-Prince en Haïti. Cet effectif participe à la mission multinationale d'appui à la sécurité dans l'île caribéenne afin de lutter contre les gangs armés qui paralysent le pays. Mais le départ de ce premier contingent ne fait pas l'unanimité. Il a été critiqué par le président du principal d'opposition kenyane. C'est un dossier de Seydou Traoré. 400 policiers sur les 1000 éléments des forces de sécurité constituent le premier contingent à prendre le vol pour Port-au-Prince. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président William Ruto. Après de nombreux faux départs, le chef de l'État kenyan a alors rappelé à ses hommes les responsabilités et l'importance de respecter les droits humains dans cette lourde tâche de lutter contre les gangs armés en Haïti. Selon des sources, 400 autres policiers devraient rejoindre le premier contingent dans 2 semaines. Le matériel quant à lui a déjà été acheminé à Port-au-Prince. Le contingent kenyan sera rejoint par d'autres forces qui viendront du Bénin, du Tchad, mais aussi du Bangladesh, des Bahamas ou de la Barbade. À travers ce déploiement, la police kenyane fait l'objet de critiques de Human Rights Watch et de plusieurs autres ONG de défense des droits humains qui l'accusent d'avoir fait un usage excessif de la force et d'avoir perpétré des exécutions extrajudiciaires. Ce déploiement des policiers kenyans approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU avait été également dénoncée par l'opposition locale. Le président du parti d'opposition Terre Douée Alliance affirme que le président William Ruto contourne le processus judiciaire parce qu'il ne croit pas en l'état de droit. Les 1000 policiers kenyans attendus doivent aider Haïti à combattre les gangs armés qui contrôlent 80% de la capitale haïtienne. Selon certaines statistiques, la mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays a une durée initiale d'un an. Le président congolais Denis Sassou Nguesso effectue à partir d'aujourd'hui une visite d'État de 2 jours en Russie. Il est accompagné d'une délégation de plus de 70 personnes, parmi lesquelles plusieurs ministres, dont celui des Affaires étrangères. Au menu de cette visite, des entretiens avec son homologue russe Vladimir Poutine, les renforcements de l'axe Moscou-Brazzaville. Cette visite s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Toujours à propos de la Russie, a noté cette déclaration du vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, sur les nouvelles sanctions de l'Union européenne contre Moscou. Les Européens sont stupides, ils approuvent d'une main de nouveaux paquets de sanctions et de l'autre, ils continuent d'acheter du gaz russe, ce sont ses propres termes. L'ancien président et ancien premier ministre estime que la Russie souffre beaucoup moins des sanctions de l'UE que les citoyens européens, et que le nouveau paquet n'atteindra pas ses objectifs, dont a conclu Dmitri Medvedev. Hier, le Conseil de l'Union européenne a adopté le 14e paquet de sanctions visant à frapper des secteurs de grande valeur de l'économie russe, tels que l'énergie, la finance et le commerce. Et puis, la Chine a quant à elle exhorté l'Union européenne à lever les dernières sanctions imposées à 19 de ses entités accusées de soutenir la Russie dans son conflit contre l'Ukraine. Lors d'une conférence de presse à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que la coopération de la Chine avec la Russie ne porte pas préjudice à des tiers partenaires. Ce générique annonce la page sport présentée en direct par Siragatou Sissé. Siragatou, bonjour. Bonjour, Siaka Konati. Les Jeux Olympiques Paris 2024 pointent à l'horizon. Les Aigles Espoirs du Mali préparent activement l'événement. Oui, le regroupement a débuté hier dans la bonne humeur à Kabala. Les 29 Aigles Espoirs convoqués par le sélectionneur Alou Badra Diallo Conti sont tous à Bamako, excepté Abdoul Salam Ag Djidou de l'antan sportif de Sétif d'Algérie, retardé pour cause de vol. Cette première phase de préparation à domicile a pour but de prendre la température de l'événement. Un autre rassemblement au cours duquel une série de matchs amicaux est prévue avant la grande bataille en terre française. Le Mali est dans le groupe D avec le Japon, le Paraguay et Israël. Les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est du 24 juillet au 11 août. Les marchés de transfert en Europe suivent son cours. Plusieurs aigles vont changer de club en vue de la nouvelle saison. Oui, l'attaquant Moussa Sissoko de Pau, Ligue 2 française, file en Allemagne et pose ses valises à Schalke 04 pour 4 saisons. Adama Traoré-Dinos quitte Hull City en championship anglais pour Ahmet Spor, deuxième division turque.
Il a signé un contrat de 2 ans. À 28 ans, l'attaquant NOS va connaître son 12e club de sa carrière. Ibrahim Sissoko, le milieu de terrain de Salzbourg, a choisi Bochum Bundesliga allemande pour 3 ans. Championnat national de foot féminin Foix Caritas, un seul match est programmé ce mardi au compte de la deuxième journée. Sur le terrain de l'AS Royal, à partir de 16h30, l'AS Mandé de la commune 4 jouera contre l'AS Police et demain mercredi au même lieu, ils font AS Amazon de la commune 5. A rappeler que lors de la première journée, les deux rencontres s'étaient soldées par un nul de 2-2 et 1-1. Euro 2024 assure le dernier match des groupes C et D. Dans le groupe D, à 16h30, temps universel en simultané France-Pologne et Pays-Bas-Autriche et dans le groupe C suivre à 19h Angleterre-Slovénie et Danemark-Serbie. Hier dans le groupe B, l'Italie arrache de justesse le nul 1-1 face à la Croatie et se qualifie pour les huitièmes de finale. L'Espagne bat l'Albanie 1-0 et réalise un carton plein au premier tour. Merci Siragatou Sissé pour cette page sport bien fournie. Je vous en prie. Initiative citoyenne, le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, nous parlons de l'association Tous et Chacun, qui est un regroupement de plusieurs structures qui se sont donné la main pour être efficaces dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile au Mali. Depuis sa création, elle est active sur le terrain à travers des caravanes de sensibilisation, des émissions radiophoniques, des productions de supports audio visuels et cela afin de mieux sensibiliser la population sur les bonnes pratiques. Chronique Initiative Citoyenne en rediffusion. C'est une réalisation de Ousmane Daou. L'association Tous et Chacun est une initiative d'une dizaine de structures qui a vu le jour en 2014. Elle s'est donnée pour mission d'aider l'État dans ses efforts pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD en apportant une contribution à la réduction de la mortalité néonatale infantile. C'est dans ce sens qu'elle organise chaque année une caravane de sensibilisation et d'information avec des causeries éducatives dans les CESCOM et des émissions radio. Babi Korotumu Oumar Kontao, présidente de l'association Tous et Chacun. Nous faisons la promotion de la santé de la reproduction à travers les sensibilisations pour amener la population à adopter les bonnes pratiques sur la santé de la mère et de l'enfant. Et si nous prenons les causes des décès maternels, nous avons un retard qui est le retard dans la prise des décisions au sein de la population. Nous partons à la rencontre des leaders communautaires, des leaders religieux, les groupements de femmes, la jeunesse, dans les régions, dans les cercles, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous parlons de la planification familiale, nous parlons de l'accouchement dans un centre de santé, les avantages de la consultation prénatale. Nous organisons aussi une caravane de sensibilisation sur le lavage des mains au savon. Au-delà des difficultés souvent liées au manque de financement et l'obtention d'une bonne logistique pour réussir sa mission, l'association s'est implantée un peu partout afin de mieux vulgariser les messages. Nous sommes dans 46 communes dans les districts de Bamako, dans les cercles de Kalabangoro et de Kati. Nous passons dans les CESCOM pour sensibiliser les mamans sur l'allaitement maternel exclusif et la diversification alimentaire. Comme difficulté, nous n'avons pas assez de moyens logistiques pour atteindre notre objectif qui est d'étendre cette sensibilisation. Pour être encore plus efficace dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile, elle a des perspectives. Babi Korotumu Oumar Kontao, présidente de l'association Tous et Chacun. Les perspectives dans le futur que l'association Tous et Chacun envisage, c'est de transformer l'association en ONG et avoir beaucoup de partenaires pour atteindre nos cibles et créer une large chaîne de communication autour des enfants et des adolescents sur leur droit à la santé. Selon les chiffres du ministère de la Santé et du Développement social de l'enquête démographique de la santé, le taux de mortalité maternelle néonatale et infantile reste encore élevé au Mali. Ce taux est de l'ordre de 325 pour 100 naissances vivantes, 33 pour 1000 nouveau-nés. C'est pourquoi l'association Tous et Chacun, au dire de sa présidente, s'engage à faire baisser la courbe, mais compte sur l'adhésion de la population. Cette chronique met fin à cette édition présentée par Siaka Konati avec la collaboration de Bourama Traoré pour la réalisation, Bindou Traoré pour la mise en onde et Amissa Konati pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortem.ml
Restez à l'écoute pour suivre les avis et communiqués avec Kani Keita. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.